Bienvenue sur Median TV Afrique. Je vous le disais il y a quelques instants, le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé au démantèlement d'une cellule terroriste dans le quartier Lawama à Tanger. Les forces de l'ordre sont intervenues à l'aube et ont arrêté 4 suspects dont le cerveau du groupe. Des armes blanches, des équipements et des supports électroniques ont été saisis. Les suspects ont été placés en garde à vue et je vous propose à présent d'écouter le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale sur les détails de cette opération. Le leader de la cellule a enregistré une vidéo où il prêtait allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Les éléments du groupe d'intervention rapide du BCIJ sont intervenus sur 4 sites dans le quartier Al-Awama de Tanger. Ils ont ainsi interpellé le suspect principal et 3 membres de cette cellule âgés de 23 à 26 ans. Les perquisitions menées par les officiers du BCIJ et les experts en scène de crime sur les lieux d'intervention ont permis la saisie d'armes blanches, d'équipements et de supports électroniques qui seront soumis au laboratoire d'analyse des traces numériques. Les membres de cette cellule terroriste n'ont pas pu rejoindre les camps de Daesh et se sont lancés dans la préparation de projets terroristes portant atteinte à la sécurité du pays. Ils avaient recours à des techniques inspirées d'attaques terroristes perpétrées en Syrie.